outremernews.fr, site d'information actualisée 24h sur 24, 7 jours sur 7. De nombreux invités pour la remise de cette 13e édition du prix Fête Cannes ici à Paris, au Café Flore où nous nous trouvons. Et puis, invité principal de cette édition est Éloi Colli, qui est le conservateur de la Maison des Esclaves de Gouré au Sénégal. Alors, Monsieur Colli, c'est cette présence symbolique, beaucoup de choses pour ce prix littéraire remis à Paris ce matin. Oui, merci monsieur. Lorsque M. José, président du Cifordom, m'a fait l'honneur de m'inviter à prendre part évidemment à cette remise du prix littéraire, les prix littéraires Fête Cannes, eh bien, je n'ai pu que me sentir honoré à travers ma modeste personne, évidemment, à la Maison des Esclaves, mais surtout à mon prédécesseur, Boubacar Joseph Ndiaye, par qui, évidemment, tout est arrivé. Parce que Joseph, eh bien, c'est un homme d'une autre dimension. Il y a qu'aujourd'hui, on ne saurait visiter la Maison des Esclaves, évidemment, sans penser à cet homme qui, pendant des années, pendant plus de 40 ans, a eu à parcourir le monde, a eu à porter la voix des sans-voix, à une époque surtout où il n'était pas aisé de pouvoir aborder ces questions. Mais déjà que Joseph était en relation avec le Cifordom, alors évidemment, j'ai eu le bonheur et l'honneur de travailler avec cet homme multidimensionnel pendant plus de 24 ans. J'ai passé plus de temps avec Joseph qu'avec mon propre père. Pour vous dire que c'est aujourd'hui, c'est avec émotion que je suis ici. Et qu'en pensez-vous de la diversité des ouvrages présentés ici ce matin ? Mais les ouvrages sont des ouvrages de qualité et qui, pour l'essentiel, vont dans le sens évidemment de la préservation de la mémoire. Il y a qu'aujourd'hui, ceux qui ont été primés aujourd'hui l'ont été pour la part qu'ils ont eu à prendre évidemment dans la défense évidemment des libertés, dans évidemment l'expression même de ce besoin de défendre, évidemment de lutter contre les discriminations, de faire en sorte évidemment que ce qui est arrivé entre les 16e et 19e siècles soit considéré comme partie intégrante de l'histoire du monde. Il ne s'agit pas là uniquement de l'histoire des Africains noirs, ni de l'histoire évidemment des Blancs. Il s'agit tout simplement de l'histoire du monde. Or, dans cette histoire du monde, il y a eu sans doute des parties belles, mais également des parties moins belles. Malheureusement, celle-là dont il s'agit, évidemment, sans doute fait partie des moins belles. Mais n'empêche qu'elle doit être considérée comme partie intégrante de l'histoire du monde. Alors, je vous disais que vous étiez conservateur de la Maison des Esclaves de Gouré au Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup d'écrivains osent écrivent sur l'esclavage. C'est important. Oui, absolument. Mais cela, nous le devons à, entre autres, à cet homme, Boubacar Joseph Ndiaye, comme je l'ai dit, même si on peut considérer que, évidemment, du point de vue scolastique, universitaire, il n'a pas été, évidemment, dans les grandes universités. Mais également, cela n'a pas empêché, évidemment, l'université Paris 8, eh bien, de lui dédier le titre de docteur honoris causa, ce qui est quelque chose. Pour toute la mémoire, M. Joseph Ndiaye également a eu la médaille de l'UNESCO, la médaille d'Haïti de l'UNESCO. Il a eu également d'autres distinctions. Voilà un homme donc qui a eu à jouer donc sa partition dans la défense évidemment des libertés, surtout des libertés des Noirs. Une grande partie de l'histoire de l'esclavage est liée à Gouré. Vous êtes le conservateur de cette maison des esclaves. Deux mots sur votre mission. Mais la mission évidemment c'est de continuer de porter cette voix est de parler évidemment des libertés, d'expliquer, parce qu'il s'agit évidemment de transmettre à nos enfants, afin qu'ils puissent avoir, retrouver l'estime d'eux-mêmes. L'estime de soi, c'est important, parce que ce qui s'est passé pour ce qui a concerné évidemment les 16e et 19e siècles, cette inflexion du noir, évidemment, s'est incrustée dans les gènes. Parce que pendant plus de 4 siècles, on nous a complètement dénaturés. Nous avons été déshumanisés. Il y a eu donc un processus que je pourrais qualifier évidemment d'une déconstruction, reconstruction. Aujourd'hui, il s'agit d'aller vers une autre
déconstruction, reconstruction, parce qu'il faudrait que, évidemment, nous puissions retrouver, évidemment, la fierté d'être noir. Parce que je l'ai dit, et je continuerai à le dire, que l'univers de cet Africain, car aujourd'hui, aucun scientifique n'oserait contester la primauté de la civilisation noire, de l'homme noir sur le monde. Aujourd'hui, les thèses qui ont été défendues par le professeur Cheikh Diop sont reconnues par tous. Mais également, il faut sans doute ajouter que l'univers de cet homme noir ne s'est pas simplement limité à l'Afrique. Il a beaucoup voyagé et dans ses pérégrinations, il est allé jusqu'à s'adapter à toutes les conditions climatiques, allant jusqu'à changer de couleur de peau. Voilà pourquoi aujourd'hui, je proclame et je le dis, que nous sommes tous des Noirs. Dernier mot, ce musée de la mémoire qui a été installé en Guadeloupe, mais bon, il y a l'acte. Oui, nous y étions à l'inauguration parce que le chef de l'État du Sénégal, M. Macky Sall, le président Macky Sall, avait été l'invité d'honneur. Et il m'a fait également l'honneur de me comprendre dans la délégation qui s'est rendue donc à Pointe-à-Pitre. Et nous étions là. Les discours très forts qui ont été des moments, vraiment des moments d'émotion qui ont été prononcés par tous ceux qui étaient là et par les chefs d'État et de même que par évidemment le président du Memorial Act, eh bien nous sont allés droit au cœur. Et je vous dirai que l'après-midi même de ce 10 mai, lorsque le président Macky Sall a eu à recevoir la communauté des amis du Sénégal, eh bien il m'a fait également l'honneur de me donner la parole et je n'ai pas hésité à l'interpeller par rapport évidemment au mémorial de Gorée qui reste à être construit à l'image de ce qui existe évidemment au niveau du Memorial Act. Mais aujourd'hui, dans le projet de revitalisation de la maison des esclaves, eh bien, une conférence internationale avait été organisée au mois de juin au Sénégal. Le président du Memorial Act a été parmi nous pour partager avec nous et discuter avec nous des contenus de ce futur. Disons, c'est même pas uniquement la maison des esclaves, mais de ce futur centre de documentation international sur la traite négrière qui va être édifié donc à Gorée et qui va être rattaché à la maison des esclaves. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.